Je, je m'appelle Joël Coutenay, j'ai 48 ans et je suis gérant du restaurant La Forge Traiteur à Saint-Georges-sur-Herve. Je suis donc euh, cuisinier, mais pas seulement cuisinier. Donc euh, étant donné que je fais aussi de la pâtisserie et que je fais euh, ben, tout ce qui est entrée, donc euh, tout ça c'est un ensemble qui va avec. Depuis quand je suis cuisinier Depuis l'âge de 14 ans. Où j'ai fait mon apprentissage, où j'ai obtenu mon CAP de charcutier-traiteur. Euh, donc entrée, dessert, comme je l'ai dit, et accueillir la clientèle. Donc, c'est euh, à la base, euh, la semaine, c'est des repas ouvriers. Et le week-end, on fait quand même des repas plus élaborés euh, pour les clients qui désirent euh, venir manger euh, le samedi ou le dimanche. Mon parcours, euh, je n'ai pas fait que cuisinier dans ma vie, hein, malgré que je n'ai que 48 ans. J'ai voulu après euh, découvrir d'autres choses, donc j'ai travaillé en usine, euh, comme j'ai travaillé aussi euh, chez Bell, à la Socopa, afin de me faire connaître, parce que euh, j'avais quand même ma société de traiteur, et auquel lorsque je suis arrivé à Mayenne, euh, j'étais pas très connu. Donc euh, en travaillant dans tout ça, ben, j'ai pu me faire connaître mieux. Et euh, j'ai travaillé avant de prendre le restaurant à Saint-Georges-sur-Erve, euh, comme euh, responsable cuisine euh, au bel Aubépin à Évron. Donc euh, pour ceux qui connaissent, c'est la masse. Et voilà, ça m'a appris en plus beaucoup de choses avant de pouvoir obtenir notre restaurant. Comment je suis devenu cuisinier euh, Grâce à ma maman, auquel elle cuisinait beaucoup. Et j'adorais euh, être derrière elle pour regarder ce qu'elle faisait. Donc euh, cette passion, ben c'est venu tout petit. Euh, donc c'est un métier euh, qu'on apprend où on est né avec, où on l'apprend sur le tas. Mais euh, voilà, j'ai toujours adoré euh, être derrière un fourneau. J'adore euh, préparer euh, toutes sortes de cuisines, euh, surtout lorsque je sais que euh, mes clients sont ravis euh, de goûter ce que je prépare avec euh, du cœur, étant donné que euh, j'adore, j'adore, mais euh, vraiment euh, cuisiner. Qu'est-ce que je dirais à un jeune pour pouvoir être motivé à ce métier Eh bien, euh, je lui dirais. Euh, qui peut foncer étant donné que je pense quand même malgré ce qui se passe actuellement c'est quand même un métier d'avenir et que faire dans la cuisine c'est vraiment magnifique euh, moi j'ai pas hésité et franchement je suis ravi de, de mon parcours actuellement euh, et c'est pour ça que je suis encore plus ravi qu'on ait aujourd'hui notre propre restaurant euh, je me présente, Bazin Angelina, j'ai 44 ans, je demeure à Saint-Georges-sur-Herbe, et nous sommes, euh, je suis gérante du restaurant La Forge à Saint-Georges-sur-Herbe. Alors, mon métier consiste à recevoir la clientèle, à faire le, servir les clients au bar le matin, et à faire euh, la vente euh, du dépôt de pain. Euh, je suis restauratrice euh, depuis un an, cela va faire un an le 2 décembre. Alors ma journée type c'est de recevoir la clientèle le matin pour le bar, pour la vente du dépôt de pain et le service le midi pour la restauration. Alors mon parcours a été j'ai travaillé au foyer des jeunes travailleurs au Pomeray à Laval, en cuisine, je suis arrivée à Évron il y a 24 ans. J'ai travaillé hôtesse de caisse et hôtesse d'accueil à Superu, à Évron, dans un centre commercial. Et ensuite, j'ai travaillé à l'EHPAD de Baie, foyer blanche-neige, dans les services et en cuisine. Je suis venue restauratrice un peu par passion. J'aime bien recevoir la clientèle, avoir le contact avec la clientèle. Et avec mon conjoint, nous demeurons à Saint-Georges-sur-Ève et on s'est toujours dit, on a eu un petit coup de cœur pour euh, ce bâtiment-là et on s'est toujours dit, un jour nous nous installerons et à ce jour nous sommes installés. Alors, je dirais à un jeune que la restauration, c'est un métier d'avenir, qu'il y aura toujours du travail dans ce domaine-là, que les gens ont besoin de sortir pour se faire plaisir, pour aller au restaurant.